Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire le tag des 15 questions bizarres. Donc c'est parti! D'abord, je tiens à m'excuser pour ce long que j'étais pas là, donc je tiens à m'excuser. Et voilà! Et si vous entendez du bruit en bas, c'est que mes parents. Tout simplement. Donc j'ai changé de décor, donc voilà, je pense que vous pouvez quand même le remarquer. J'ai mis mes petites bouteilles d'Arizona. Voilà. C'est des bouteilles d'Arizona. Bon, on voit pas trop le décor, mais j'essayerai de refaire un peu. Donc c'est parti pour les 15 questions bizarres. Alors, première question, un surnom que seule ta famille te donne. Donc un seul surnom que ma famille me donne, c'est mon Paul, un truc comme ça. Parce que en fait, ça veut dire une grosse boule, et quand j'étais bébé, en fait j'étais un peu grosse, quoi, enfin j'étais forte, et du coup on m'appelait bon voilà. Deuxième question, as-tu une habitude étrange? Ouais, avant de me coucher, genre je vérifie toujours si les lumières sont tous allumées, éteintes, du coup genre je vais aller voir partout et après je vais me coucher quoi, c'est bizarre. Troisième question, as-tu une phobie bizarre? Ouais, j'ai une phobie bizarre, j'espère que vraiment les gens ne vont pas forcément rigoler, mais je pense que c'est marrant, mais problème de bonnet, hein. En fait, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi. Que je sois dans la rue, que je sois chez moi, quand je suis seule chez moi, tout ça. Voilà, c'est pas assez comme ça. Je regarde que le retour de la caméra, ça me stresse. Ensuite, quatrième question. Une chanson que tu aimes chanter seule à tue-tête. Donc là, je ne suis pas seule, donc il y a mes parents en bas. D'ailleurs, excusez-moi si vous entendez leur voix, mais il fallait vraiment que je tourne une vidéo plus vite, donc voilà. Donc je vais vous chanter la chanson, donc c'est Hey Nobody. Hey Nobody, love me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody love me better than you. Bref, donc voilà, no comment s'il vous plaît. Je sais que je chante très très mal, mais c'est juste pour la chanson. Ensuite, cinquième question. Une de tes plus grosses bêtes noires? Les araignées? Non, franchement, une de mes plus grosses bêtes noires, si j'aurais quelque chose en face de moi, c'est... je dirais les insectes. Ouais, les insectes, c'est quelque chose que je kiffe pas trop, quoi. Ouais, donc, ouais, je dirais les insectes. Malgré, ouais, c'est les insectes. Sixième question. As-tu une habitude nerveuse? Je fais comme ça. Genre, ça stresse les gens. Ou sinon, je bouge mon pied, comme ça. Ça stresse souvent ma maman. Bisous à ta maman. Septième question. De quel côté du lit dors-tu? Moi, genre du côté droit du lit. Parce qu'en fait, moi j'ai un lit superposé, donc voilà. Et genre en haut. Huitième question. Ton premier animal en peluche et son nom. Donc, ton premier animal en peluche, c'est ça. C'est un petit lapin que j'aime trop. Et je trouve qu'il est vraiment trop chou. Et je l'ai appelé Pampan, me demandez pas pourquoi. Je l'ai appelé Pampan, voilà. Je le kiffe, il est trop beau. J'ai le même, sauf que c'est mon vrai doudou. Donc oui, j'ai encore un doudou. Vous moquez pas de moi. J'ai le même, sauf qu'il est un peu plus trop que ça, moins gros que ça. Et voilà, ouais, je vous montrerai pas parce que c'est vraiment une honte. Donc voilà. Et l'autre, il s'appelle Grégory. Voilà. Et l'autre, c'est vraiment mon vrai doudou. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai eu quand j'étais petite. Ensuite. Nouvelle question. Quelle boisson chez McDo? Donc McDo, moi je prends un iced tea tout simplement. Deuxième question. Quelle règle de beauté prêches-tu mais que tu ne fais jamais? Donc prêche, entre parenthèses, prêche ça veut dire quelque chose qu'on devrait faire, un conseil qu'on donne, qu'on devrait faire mais nous on ne le fait pas. Donc ce que je donne comme conseil, c'est de se laver le visage le soir. Mais je le fais jamais. Donc voilà. je pense que vous trouverez ça un peu dégueulasse. Mais moi en fait, je me lave jamais le visage le soir. Donc voilà. Bon après, genre quand je prends une douche et tout, genre ça m'arrive de le laver. Mais... Ensuite, on a une question. Quelle est ta malbouffe préférée que tu aimes malgré tout? Donc moi c'est McDo. Voilà, c'est une grosse malbouffe. Mais que j'aime malgré tout, c'est McDo. Voilà. Deuxième question.
phrase je quelle phrase je dis c'est beaucoup. Donc en fait je dis beaucoup de phrases. Je dis j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir, j'ai mal à la tête. Je dis souvent ça. Et sinon je dis bah je suis fatiguée. Voilà. Ensuite, que portes-tu pour dormir? Bah, un pyjama, un haut et un bas. Donc normalement dans ma dernière vidéo. Ah non, bah non, je l'ai effacé. En fait, j'avais fait une vidéo Getting Ready With Me. Pour ceux qui l'ont vu, mais en fait, j'étais en pyjama comme ça. C'est, voilà, c'est juste un t-shirt et un haut. T-shirt, c'est un maillot de foot. Et en bas, bah, c'est juste un short avec des trucs marines. Donc voilà. Ensuite, quatrième question. Comment te places-tu dans la douche? Bah, moi, dans la douche, je me place debout. Sinon, quand je prends un bain, bah, je me place assis ou couché. Ah ouais, le bain. Ah, choqué. Okay. Ensuite, 15e question. Les personnes que tu souhaiterais taguer. Donc, moi, je souhaite taguer tout le monde. Hein. Tout le monde peut faire ce tag. C'est pas indispensable à quelqu'un d'autre. Tout le monde peut faire ce tag. Donc voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, laissez un petit pouce bleu. Faites l'amour, pas la guerre. Ciao!